sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous donne 5 astuces pour vous débarrasser des fourmis. Je sais que c'est l'été, donc l'été, c'est la chaleur, c'est les fourmis qui sortent, je sais pas, des termitières poussées par l'odeur du sucre, poussées par l'odeur des friandises, poussées par l'odeur de quelques morceaux ou miettes de pain qui traînent sur la table, sur le plancher ou autre, poussées par l'odeur, je sais pas si vous avez oublié des croûtes d'aliments dans l'évier et tout. En tout cas, c'est l'été, c'est la saison des fourmis et moi, je vais vous proposer 5 astuces pour se débarrasser des fourmis, ok? Donc, première chose à faire, vous pouvez utiliser du vinaigre. Comment utiliser du vinaigre? En fait, vous pouvez prendre à peu près une quantité, soit par exemple 30 ml de vinaigre que vous allez diluer avec de l'eau. Ensuite de ça, vous le mettrez dans un push-push, ok? Une bouteille avec un embout pulvérisateur, je pense. Et vous allez pulvériser sur vos espaces de travail, sur votre table, sur les rebords des fenêtres, sur les rebords des portes et tous les endroits où vous savez que les fourmis aiment s'accumuler là-dessus. En fait, qu'est-ce qui se passe avec le vinaigre? C'est son odeur forte, en fait, qui rend les fourmis inconfortables. De ce fait-là, rien que l'odeur va repousser les fourmis et donc, ils ne vont pas rentrer, ils ne vont pas être sur votre table de travail, ni sur les rebords des portes, ni sur les rebords des fenêtres. Donc ça, c'était le premier astuce, le vinaigre. Deuxième chose, c'est la craie. Ok, la craie blanche, simplement la craie. Ce que vous allez faire, c'est tracer, ok, des lignes avec la craie autour de la porte, des fenêtres ou sur votre plan de travail. On sait bien sûr que la craie va être salissante, mais si vous avez un envahissement de fourmis, je pense que ça en vaudrait la peine. Sauf que ça, c'est une astuce qui va être un peu limitée dû au fait que les fourmis peuvent contourner les espaces où il n'y a pas de craie et donc être envahies. Donc ça, c'est une astuce efficace, mais qui va être plus limitée dans le temps. Ok, troisième chose, c'est l'eau et le savon. Ok, ce qu'on va faire là-dedans, en fait, on va mélanger 40 ml d'eau et 40 ml de savon à vaisselle. Ok, vous mélangez le tout, ça va comme former une mousse, une glucol, ok. Ensuite de ça, vous allez pulvériser ou vous allez mettre ce mélange là sur les bords des fenêtres, sur votre plan de travail, sur votre porte, en fait tous les endroits successifs d'être envahis par les fourmis. Ce qui va faire que une fois que les fourmis vont pénétrer dans ce mélange là, ils vont être pris, ils ne vont pas être capables de bouger librement, ce qui va faire que ils vont avoir du mal à respirer, ils vont être déshydratés et ils vont mourir. Donc, ils vont quoi? Mourir par asphyxie. Donc là, ça nous débarrasse des fourmis d'une façon immédiate et efficace. Donc, n'hésitez pas à utiliser le savon et de l'eau. Quatrième astuce en fait, c'est la lavande. Vous pouvez utiliser soit de l'huile essentielle de lavande, soit des branches de lavande. En fait, les fourmis n'aiment pas le lavande, même si nous les humains, moi personnellement, j'aime beaucoup l'odeur de lavande, mais c'est pas le cas des fourmis. Donc, une fois que les fourmis vont déjà sentir cette odeur-là, ils vont débarrasser le plancher one shot. Vous n'aurez même pas besoin de mettre d'autres astuces, mettre d'autres affaires à côté. Les fourmis vont s'en aller, ok? Donc, moi, ce que je recommanderais plus, au lieu d'utiliser plus les branches, je recommanderais plus d'utiliser l'huile essentielle de lavande parce qu'on va avoir, dans ce cas-là, deux bénéfices. Non seulement, on va avoir une bonne odeur au niveau de la maison, mais aussi, on va se débarrasser en même temps des fourmis. C'est idem pour les branches de lavande, mais moi, vu que j'aime beaucoup les huiles essentielles que je mets dans mon diffuseur... Donc, moi, j'utiliserai plus l'huile essentielle. Pas l'huile essentielle, mais l'huile essentielle. Cinquième astuce, ben, c'est le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, lui, va s'utiliser un peu plus comme l'eau et le savon. Donc, vous allez faire un mélange d'eau et de bicarbonate de soude, ce qui va former en fait une pâte et vous allez le pulvériser. Pas pulvériser, mais mettre ce mélange-là sur les rebords des portes, ok? Les rebords des fenêtres, sur les plans de travail ou tous les coins qui sont susceptibles d'être envahis par les fourmis ou qui sont plus souvent envahis par les fourmis. Donc, de ce fait, il va avoir
encore que les fourmis vont être pris dans ce mélange-là. Ils ne vont pas être capables de bouger et ensuite de ça, ben, ils vont être déshydratés et ensuite ils vont mourir par la suite. En plus de ça, on sait que ben, le bicarbonate de soude, lui, ça c'est un antimicrobien, ce qui va faire que ben, sur l'endroit où vous l'avez placé, non seulement ça peut faire un petit nettoyage et aussi ben, ça peut à nettoyer, ben, la plupart du temps, en fait, là, sur les rebords des fenêtres, on sait que ils ont comme tendance à accumuler la poussière, ok? Donc, une fois que vous aurez mis votre mélange d'eau et de bicarbonate de soude, et ensuite de ça, les fourmis morts là-dessus, ce qui va faire que vous allez nettoyer cette pâte-là. Ensuite, le fait de nettoyer la pâte, ça va en même temps faire un bon nettoyage de vos rebords de fenêtre parce que le bicarbonate de soude, en fait, c'est un bon nettoyeur. On peut l'utiliser pour nettoyer les taches de café dans les tasses. Moi, je l'utilise pour nettoyer ma plaque de cuisson. Je l'utilise pour nettoyer ma salle de bain, pour nettoyer les chaudrons également, nettoyer même les verres. Et c'est très, très, très nickel. En fait, lorsque vous avez nettoyé vos ustensiles, tout brille comme si c'était neuf. Donc, c'était ça mes astuces pour se débarrasser des fourmis vu que c'est l'été, que c'est la saison des fourmis. Donc, si je vous récapitule les astuces, la première astuce que moi j'avais utilisée, donc c'était le vinaigre. On mélange à peu près 30 ml de vinaigre avec de l'eau. On pulvérise sur les espaces de travail, rebord des fenêtres, rebord de porte. L'odeur forte du vinaigre, ce qu'il va faire, donc il va faire éloigner les fourmis. Deuxième astuce, moi je mélangeais non, je mélangeais pas, mais je faisais des traits de craie blanche, soit sur les rebords de fenêtres ou dans tous les coins où les fourmis sont susceptibles d'aller et que cette craie-là, en fait, allait faire éloigner les fourmis, même si c'est une astuce qui va être limitée dans le temps parce que les fourmis peuvent avoir tendance à contourner cette craie blanche-là. La troisième astuce, c'était donc d'utiliser l'eau et le savon pulvérisé sur les rebords de ces espaces-là. L'eau et le savon allaient donc emprisonner les fourmis, les empêcher de mobiliser librement, ce qui allait faire qu'ils allaient être plus déshydratés et allaient mourir par la suite. Quatrième astuce, c'était d'utiliser les branches de lavande ou de l'huile essentielle de lavande parce que ben, les fourmis n'aiment pas cette odeur de lavande-là. Et sixième astuce, c'était donc d'utiliser de l'eau et du bicarbonate de soude mélangé, appliqué sur les espaces. Ça allait aussi empêcher donc les fourmis de se mobiliser librement, ce qui allait faire qu'ils allaient se déshydrater et mourir par la suite. Donc, j'espère que ces astuces-là vont vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou si vous les avez essayés, pardon. Si tel est le cas, j'espère que vous en êtes bien content. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de ça dans les commentaires. N'hésitez pas de liker la vidéo pour qu'elle soit référencée, pour que d'autres personnes voient ces astuces-là. Et si vous êtes nouvelle, si vous venez de me découvrir, abonnez-vous sur ma chaîne. Sur cette chaîne-là, je parle de tout et de rien, de tout ce qui m'intéresse. Et aussi, je fais des vidéos par rapport aux demandes des abonnés. Donc, au revoir, à très bientôt. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye!